Moi, la culture est éminemment politique. Elle est éminemment politique tout simplement parce que personne ne vit comme nous. De personnes, je suis en train de dire, je prends mes aises, pour entrer dans les milieux qui ne me sont pas familiers. Soit être conscient du monde, de sa langue. Enfin, il y a une longue histoire commune, croisée, d'affrontements, d'incompréhension, de réconciliation, de tension entre le Maroc et la France. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'amitié entre les peuples, les dialogues entre les cultures, la circulation des femmes, des hommes, les rencontres, tout ça, c'est notre univers, c'est notre monde, c'est notre temps. Et que les comportements qui consistent à se crisper pour empêcher la circulation sont des comportements vains. Ils n'empêchent pas la circulation parce que les gens bougent quand même. Ils compliquent les choses. Donc voilà, il faut que les responsables politiques de part et d'autre aient à la fois des relations d'amitié, de respect mutuel, de compréhension réciproque, et que les citoyennes et les citoyens de part et d'autre sentent bien qu'il y a une fraternité entre les deux peuples et qu'on peut circuler, qu'on peut se voir, on peut aller les uns chez les autres. Alors je dis ça, c'est le niveau du principe, et puis à le niveau pratique, c'est-à-dire comment les gouvernements mettent en place soit des régulations, s'il y a lieu. Moi, je considère qu'il y a des situations où on doit s'interroger pour dire est-ce qu'on facilite la circulation. Maintenant, il faut qu'il y ait de vraies raisons. Si on a, par exemple, sur un pays en particulier, des doutes sur une certaine forme de criminalité, y compris de la criminalité de droit commun, trafic de stupéfiants, trafic d'armes, trafic d'alcool, etc. Si on a des doutes sur des choses comme ça, on pose des choses, mais il faut les poser. On ne le fait pas payer aux citoyennes et aux citoyens. C'est juste ça. Les événements littéraires m'interpellent à chaque fois. Mais lorsque, en plus, en particulier, comme le fait Nadia Essalmi, elle crée une maison d'édition justement pour inciter la jeunesse marocaine à lire. Ensuite, qu'elle organise ce festival de littératures itinérantes, c'est-à-dire qu'elle accepte l'idée que la littérature circule, qu'elle se déplace, qu'elle aille jusqu'aux personnes. Moi, je trouve ça absolument fabuleux, absolument fabuleux. Donc, j'ai annulé autre chose, j'ai vraiment fait l'effort de venir, parce que pour moi, ça a beaucoup de sens d'inciter à la littérature, de donner le goût de la littérature, de montrer que la littérature est là, qu'elle est disponible et accessible, et surtout de partager de l'amour avec les gens. Alors, la culture au sens large, c'est-à-dire la littérature, les arts, les lettres, enfin tout le reste, je mettrais même les sciences, c'est-à-dire la curiosité, la compréhension, le savoir, tout ça c'est très émancipateur, c'est très émancipateur. Ça libère l'esprit, ça donne confiance en soi, ça permet de comprendre le monde et donc d'être en capacité de comprendre les décisions politiques. Et c'est sans doute ce qui fait le plus peur au monde politique, à savoir qu'un peuple qui est cultivé, qui est instruit, qui est curieux, c'est un peuple qu'on ne manipule pas, c'est un peuple que l'on ne bride pas facilement. Donc moi je trouve assez ordinaire, et c'est dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, en général, les pouvoirs politiques se tiennent plutôt à distance des littéraires, des écrivaines-écrivains, des artistes, de toutes celles et ceux qui font, j'allais presque dire, fonction et métier de penser librement, de s'exprimer librement. Mais il y a des tas de responsables politiques qui sont la preuve que lorsque, au contraire, on reste très lié au monde de la culture, au monde artistique, au monde littéraire, soi-même, on élargit son regard. On est plus sensible aux nuances, aux subtilités, et on est plus performant dans son action politique. Et dans les gouvernements français, par exemple, à travers le temps, on a vu qu'il y a eu des hommes et des femmes de lettres. Alors, un des plus connus, c'est Georges Pompidou, parce qu'il s'intéressait également à la poésie. Mais il y a eu André Malraux, qui était à la fois ministre de la Culture et écrivain. Donc, voilà, on sait qu'il n'y a pas d'antinomie, d'antagonisme entre le fait d'être très passionné pour la culture, la littérature, et en même temps de se lancer dans l'action politique. Au contraire, au contraire.
Moi, la culture est éminemment politique. Elle est éminemment politique tout simplement parce que...